Comment adapter les politiques existantes? Ben déjà, je pense que si déjà on appliquait déjà la notion de pollueur-payeur, déjà, ce serait déjà une grande avancée. Parce qu'actuellement, il y a une dérive autour de ça. Ce qui fait qu'on a plein d'entreprises vertueuses qui, au final, sont pénalisées face à des gens qui en ont, entre guillemets, rien à faire. Puisque de toute façon, ils ne sont ni poursuivis ni condamnés. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi faire des efforts? À part les consciences personnelles, mais si on parle au niveau macroéconomique, il y a un moment donné où il va falloir adapter ça de façon fiscale, juridique et sur un cadre légal. Oui, alors moi je pense que la meilleure des méthodes, plutôt que de mettre en place un énième label, qui, on le sait, sont sur des critères bien spécifiques et ne sont pas applicables à tous, sont applicables à des filières, à des branches, mais pas forcément, même d'une entreprise à l'autre, on le voit bien. Nous, par exemple, on est dans le nettoyage, on n'a pas les mêmes critères qu'une autre entreprise. Donc, moi, je pense que la seule chose qui serait vraiment valable, ce serait une incitation fiscale via une TVA qui serait modulée, hein, une TVA circulaire, qui permettrait de pouvoir valoriser tous ceux qui veulent rentrer dans ce modèle-là et d'avoir une incitation quelque part fiscale. Et puis les autres qui ne veulent pas, bah, c'est le statu quo. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est plutôt quelque chose de volontaire.